l'année dernière, c'était déjà le plus gros événement du monde en termes de sensibilisation. Donc je, voilà, je vous explique pas qu'aujourd'hui, c'est encore plus à ce niveau-là. Pour parler juste un peu de la France, l'année dernière, bah, il y avait que Paris et Lyon qui participaient. On n'avait que deux antennes à l'époque. Et aujourd'hui, cette année, il y a 17 villes en France qui participent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en quasiment en même temps, vous avez des Cubes de la Vérité à Aix-en-Provence, à Angers, à Avignon, à Bordeaux, à Grenoble, à La Rochelle, au Mans, à Lyon, à Montpellier, à Mâcon, à Nice, à Perpignan, à Rennes, à Toulouse, à Valence et à Valenciennes. Et bien sûr, j'ai pas oublié Paris, où on avait fait l'année dernière un total de 158 personnes sensibilisées. Donc quoi, toutes ces 17 villes en France et dans 500 autres villes du monde, il y a des gens aujourd'hui qui vont se battre avec des mots contre une injustice en même temps. Pensez vraiment à ça, gardez ça en tête là pendant ces 4 heures de cube, où voilà, il fait pas très chaud. Donc, gardez ça en tête vraiment, ça va vous donner de la force. Et c'est ça qui rend ce jour un peu spécial. Aujourd'hui, nous verrons le soleil en flamme, gâchis total que d'emprunter ce chemin insensé. Aujourd'hui, tout ce que nous pensions va changer et cette vie ne sera plus jamais la même. Le temps est suspendu à sa dernière menace et les cieux brûlent et saignent. Dans l'attente de ce meilleur avenir, les larmes tombent sous la pluie. Mais aujourd'hui, ensemble, nous nous levons. Nous nous lèverons ensemble. Ça, c'est les paroles de la chanson qui accompagne le documentaire Dominion, qui s'appelle Descent, qui sont déjà pleines de sens. Mais je voulais juste rajouter quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, des milliers de personnes sont dans la rue pour montrer la vérité, pour demander la justice. Aujourd'hui, hors de question de se taire, lorsque tout est déjà caché. Que l'ignorance ne soit plus, car notre silence les tue. Aujourd'hui, celles et ceux qui savent ont le devoir de dire, le devoir d'agir. Aujourd'hui, un peuple se soulève pour en défendre un autre. Aujourd'hui, nous sommes masqués. Mais demain, ce sont eux qui voudront de honte se cacher, d'avoir fermé les yeux sur ces actes ignobles. Pendant que nous, pendant que vous pourrez rester fiers d'avoir contribué à les arrêter. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue, mais demain, nous devons être là où on les tue, pour les voir libres demain. C'est aujourd'hui que nous devons nous lever ensemble.